Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. Chef terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Yad Agali, dans une nouvelle vidéo de 22 minutes, menace le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Faut-il prendre au sérieux les propos du chef du JNIM? La réponse dans ce journal. 2387,872 milliards de francs CFA sont les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 contre des dépenses estimées à 370,740 milliards de francs CFA. Le CNT vient d'adopter la loi des finances 2024. Vous entendrez le ministre de l'économie et des finances dans ce journal. Du travail pour des centaines de femmes, l'Agence nationale pour l'emploi ANP a lancé hier mercredi un programme d'insertion de 320 femmes. Les bénéficiaires ont été formés et équipés. À suivre les détails. Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. Terrorisme, Yad Agali menace les pays de l'AIS dans une nouvelle vidéo. Il n'était pas apparu depuis 3 ans. Chef terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Yad Agali, dans une nouvelle vidéo de 22 minutes, menace le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Faut-il prendre au sérieux les menaces du chef du JNIM? La réponse avec Paul Oula, spécialiste des questions sécuritaires, au micro de l'Olmadi Bati. Yad Agali, il veut montrer à la communauté internationale, plus aux pays membres de l'AIS, qu'il est en vie et qu'il y a toujours une force de frappe assez puissante. Il montre aussi que la forme de l'État qui constitue ce qu'on appelle le système de gouvernance de nos États, plus précisément qu'on appelle la laïcité, il essaie de battre en brèche cette laïcité qui, selon lui, serait importée ou qui relèverait de ce qu'on appelle de la théorie judéo-chrétienne et qui ne rime pas du tout avec la forme d'État qui doit être plus ou moins assez adéquate ou qui rime avec les valeurs africaines et musulmanes. Donc, du coup, quand on essaie de voir aujourd'hui Yad Agali, il est réellement aujourd'hui en train de montrer qu'il est en vie. Naturellement, on doit le prendre au sérieux parce que quand on essaie de voir, Yad Agali aujourd'hui, c'est pratiquement la bête noire qu'il faille abattre. Et lui-même, il est au courant de ça. Alors, si on ne prend pas en compte, si on ne prend pas au sérieux ces messages, ou si ces messages serait considéré comme une simple menace à l'encontre du Mali ou à l'encontre de tous les pays membres de l'AS, ça serait très grave. Il faudra y craindre parce que quand on essaie de voir chaque fois que les groupes terroristes font un message ou bien chaque fois qu'ils menacent, alors il faudra y craindre quand même qu'après ces messages, mais derrière ces messages, il y a quand même de fortes suspicions ou de fortes chances que derrière ces messages, il y a quand même des hostilités. Le Conseil national de transition, CNT, a adopté cet après-midi le projet de loi portant loi des finances 2024. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2024 s'établissent à 2387,872 milliards de francs CFA contre 2304,475 milliards de francs CFA en 2023. Quant aux prévisions des dépenses budgétaires, elles s'élèvent en termes de crédit de paiement à 370,740 milliards de francs CFA. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'économie et des finances au micro de Zakaria Omar Keïta et de Idrissa Sidibé. Nous avons un budget qui totalise des dépenses qui s'élèvent à 3070 milliards de francs CFA cette année, en augmentation de 2,5%. Et nous avons en recette un budget de 2387 milliards de francs CFA, en augmentation de 3,6%. Nous avons ainsi un déficit budgétaire qui s'établit à 682 milliards de francs CFA,
en diminution de 1,03% par rapport à l'exercice 2023. Donc je voudrais rappeler que ce budget, il est le cinquième en exécution en mode et programme et que nous avons 139 programmes répartis en 328 actions, 473 objectifs et 1177 indicateurs. Ce budget permettra au Mali d'atteindre dans son exécution, compte tenu de notre analyse de l'environnement, un taux de croissance de 5,1% en amélioration par rapport à l'année 2023 et 2022 où le taux d'augmentation était de 5% et de 4,7%. Nous allons atteindre donc un PIB de plus de 13 000 milliards de francs CFA. Et nous allons avoir un taux d'inflation de 2,5% en diminution par rapport à l'année dernière où on était à 2,8% et en diminution par rapport à 2022 où nous étions à peu près à 9,7%. Le Mali va continuer de respecter deux sur les quatre critères de convergence en application aujourd'hui dans la zone UMOA. Parce qu'on va avoir un taux de dette sur le PIB qui va s'établir à 51% contre une norme de 70% maximum. Et nous allons également constater une amélioration du taux de pression fiscale qui va passer de 14,6 à 14,8. Et je rappelle que c'est le troisième meilleur taux de la sous-région. Donc l'exécution de ce budget va nous permettre vraiment d'améliorer les conditions de vie des Maliens, d'engager et de continuer les réformes majeures en vue d'assurer une croissance encore beaucoup, beaucoup plus élevée que cela. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce jeudi la journée internationale de la poste, placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga. Cette journée a été une occasion pour les acteurs du secteur de rappeler le rôle social de la poste et les difficultés auxquelles le service postal du Mali est confronté. Le compte-rendu est signé Sidibé Bakary M. Unis pour la confiance, la poste est un outil de souveraineté nationale. Tel est le thème retenu pour la célébration de cette journée de la poste. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris des initiatives pour la relance de la poste. Ainsi, il a conféré à la poste le rôle de coursier de l'État en 2027. Les efforts actuels ne sembleraient pas parvenir à bout des difficultés auxquelles le secteur est confronté. Le fardeau de son passif originel hérité des entités précédentes, OPT et ONP, le statut actuel de la poste qui constitue un frein à son évolution, l'inexistence de fonds de compensation du service postal universel. Le rôle social de la poste n'est plus à démontrer, selon le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et postes. Qui, mieux que des postes, peuvent être présents pour tous, partout et tous les jours pour simplifier la vie, contribuer aux transformations en cours dans la société et ou éventuellement les accompagner. Le développement de nouvelles activités répondant ainsi aux évolutions des modes de vie et des attentes des citoyens passe entre autres par le e-commerce qui donc consiste à la dématérialisation des échanges qui est créatrice de besoins inédits en matière de logistique et de services de livraison. À cet égard, il importe de développer des solutions de livraison à valeur ajoutée pour les entreprises et les particuliers sur le dernier kilomètre à domicile et hors domicile. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a assuré l'engagement du gouvernement à soutenir le développement de l'activité postale par des politiques publiques incitatives et dynamiques qui intègrent la digitalisation des services et produits postaux. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas de ce fait rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème
mondiale. Une visite des stands a marqué la fin de cette journée postale. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a lancé hier mercredi un programme d'insertion de plus de 300 femmes en couture, saponification et 11 autres métiers artisanaux. Ce projet d'appui qui permettra de former et d'équiper les bénéficiaires vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des femmes. La cérémonie de lancement officiel a été présidée par la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Adam Tangara, Zakaria Oumar Keïta pour le compte-rendu. Elles sont au nombre de 320 bénéficiaires de ce programme. Les femmes retenues sont réparties entre 130 unités d'entreprise ou activités génératrices de revenus. Elles évolueront dans 13 métiers, dont la couture et la saponification. Initié par le gouvernement, le programme est exécuté par l'ANPE en étroite collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Avec cette initiative, les autorités veulent réduire le taux de chômage à travers l'autonomisation des femmes. Il n'est point besoin de rappeler l'impérieuse nécessité d'investir dans le renforcement des compétences des femmes, des jeunes filles et des personnes vivant avec un handicap. Les sessions de formation, insertion, tant dans le domaine de la couture, de la saponification, que dans les métiers artisanaux, s'inscrivent en droite ligne de la stratégie d'action de mon département pour faire de l'autonomisation des femmes dans le secteur productif un vecteur de lutte contre le chômage et la précarité socio-économique des femmes. Selon le président de l'APCM, ces genres d'initiatives renforcent le partenariat public-privé au profit de la lutte contre le chômage et la pauvreté. L'initiative de ces programmes est d'autant plus salutaire que son objectif est d'améliorer la visibilité de l'ANPE et la convivialité de ses relations avec les associations des femmes et l'APCM pour la promotion de l'emploi féminin et des personnes en situation de handicap. Je ne doute point de l'importance particulière du présent programme qui va certainement renforcer ou consolider notamment les unités d'entreprise, des activités génératrices de revenus, des emplois dans diverses unités d'entreprise. Les bénéficiaires ont remercié les organisateurs pour ce projet en faveur des femmes et ont plaidé pour l'élargissement du programme. Grâce à l'ANPE et ses partenaires, nous avons été formés dans plusieurs métiers. Nous les remercions de leur engagement pour l'autonomisation des femmes. Nous plaidons toujours auprès d'eux pour plus d'initiatives. À noter que ce programme d'insertion couvre le district de Bamako, Kati et la région de Koulikoro. Nous restons avec l'ANPE qui a tenu ce jeudi 14 décembre 2023 la 47e session ordinaire de son conseil d'administration. Au programme, l'examen et l'adoption du point d'exécution à mi-parcours du budget 2023 et du projet prévisionnel du budget 2024. Maïmouna Ouedraogo, Matarawatra, pour les détails. 81,8% des activités prévues cette année ont été déjà réalisées. C'est ce qui ressort de cette 47e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi. Après la présentation du bilan 2023 jugé satisfaisant, les administrateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du projet de budget 2024, un budget qui s'élève à 8 514 400 000 de francs CFA. Je voudrais en votre nom féliciter la direction générale pour les résultats obtenus et l'inviter à persévérer dans cette dynamique pour plus de résultats tangibles. En ce qui concerne le plan de travail annuel 2024, il s'inspire toujours du nouveau plan stratégique de développement 2021-2025, du plan d'action de la politique nationale de l'emploi, du plan d'action de la politique nationale de la formation professionnelle et du contrat annuel de performance 2024 entre le département de tutelle et l'ANPE. Pour le directeur général de l'ANPE, l'année 2024 sera centrée sur la formation des jeunes et l'amélioration de la base des données pour les demandes et offres d'emploi.
Cette année, nous allons favoriser le mentorat, le coaching et tout ce qui concerne un peu l'entrepreneuriat. Et surtout améliorer la base des données au niveau de l'ensemble des offres et demandes d'emploi pour mieux cerner les marchés du travail et faire en sorte que l'arrimage soit fait de façon à ce que les différentes demandes soient satisfaites au mieux par l'économie nationale à travers les agencements et les indications que nous aurons à faire à travers, bien entendu, les ministères en charge de l'emploi, que, au passage que je remercie. À ce titre, il est prévu 1500 placements aussi pour 3000 placements effectués pour 2024, 3000 placements et également 3200 entrées en formation sur l'ensemble de l'année. Ceci donc, vous comprendrez que nous sommes du simple au double parce que la base de données qui sera mise en place va opérer des avancées très significatives en termes de brassage d'assez de résultats et tangibles au titre de 2024. Cette 47e session ordinaire de l'ANPE a été l'occasion d'installer de nouveaux membres du conseil d'administration. Sa première journée scientifique placée sous le thème « Insuffisance rénale aiguë, enjeu et prise en charge ». Il s'agissait pour les spécialistes de faire le point sur le nombre de cas d'insuffisance rénale aiguë au Mali afin d'anticiper sur cette maladie qui fait des ravages. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Au Mali, l'insuffisance rénale aiguë représente 12% des hospitalisations avec un besoin d'urgence de dialyse dans 40% des cas. À la suite de ce constat, la Société de néphrologie du Mali a consacré sa première journée scientifique à la maladie rénale et à sa prise en charge. Et dans notre observation en milieu médical, donc nous constatons que environ 12% des malades admis dans les services présente une insuffisance rénale aiguë. Mais malheureusement, on se rend compte souvent aussi que dans 40%, donc ces malades-là doivent bénéficier rapidement d'un traitement de suppléance, c'est-à-dire l'hémodialyse dans notre contexte. Mais vu la rareté souvent des équipements et également le nombre de malades élevés, donc les traitements souvent nécessaires à une bonne prise en charge de ces malades, c'est-à-dire une intensification de la dialyse, est souvent difficilement réalisable. Maintenant, il nous manquait ces journées de néphrologie pour évoluer vers le congrès et ensuite autre chose. Donc, je pense que c'est bienvenu parce qu'il nous faut, ce sont des étapes en matière de science. Il faut les ateliers, il faut les journées, ensuite le congrès. C'est ça la vie même d'une société, c'est-à-dire scientifique. Malgré plusieurs actions pour simplifier la prise en charge des patients, les spécialistes sont confrontés à certaines difficultés. Mais nous continuons essentiellement à demander donc, l'équipement de ces centres. Donc, en termes de personnel, dont nous avons souligné, et également en termes de maintenance. Donc personnel infirmier, de maintenance, et également aussi pour les médicaments. Parce que souvent, pour les malades, il y a des soucis de s'acquitter des ordonnances et également aussi pour faire des analyses. Alors que la maladie rénale, donc c'est essentiellement une maladie du milieu interne. Donc toute amélioration et également les adaptations sont fonction des résultats des contrôles, des examens complémentaires. À noter que la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale est possible dans plusieurs régions du pays. Ouverte le lundi 11 décembre 2023, la formation sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance organisée par l'ONG Appui solidaire pour le renforcement de l'aide au développement ASRAD sur le financement de l'ambassade de Luxembourg au Mali a pris fin hier mercredi. La session a réuni ici à Bamako 60 jeunes venus de toutes les régions du pays. Compte rendu, Oumou Traoré, Mantala Ouattara. Durant trois jours, ces jeunes venus des 19 régions du district de Bamako ont été outillés sur les notions de droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Initiée par l'ONG ASRAD et ses partenaires, la formation avait pour but de renforcer les capacités de ces jeunes sur les fondamentaux de droits de l'homme et de la bonne gestion des affaires dans la société. L'objectif de la formation, c'est d'outiller la jeunesse
malienne par rapport aux droits de l'homme, tout ce qui s'est dit par rapport aux droits de l'homme et les 30 articles, comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes s'approprier de ça et véhiculer, informer, sensibiliser autour d'eux sur la question des droits de l'homme. Cette session n'a pas seulement été une occasion d'acquérir des connaissances théoriques, mais elle est également une plateforme pour le partage d'expériences, le dialogue interculturel et la construction de ponts entre nos diversités. La richesse de notre nation réside dans la pluralité de ses voix. Et je suis convaincue que chaque interaction au cours de ces 3 jours a contribué à renforcer notre tissu social. La connaissance approfondie des droits de l'homme et de la bonne gouvernance est cruciale pour forger des citoyens conscients et responsables. Les participants affirment d'avoir appris les notions essentielles des problématiques et assurant d'être désormais des ambassadeurs de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance dans leurs localités respectives. Personnellement, je demanderais à tout un chacun de s'intéresser déjà à ces règles-là, de les appliquer sur soi-même et d'essayer de pousser son prochain à les appliquer. Ça serait bénéfique pour la société, bien sûr. Cela va nous permettre, nous, en tant que défenseurs des droits humains, de pouvoir réellement contribuer de façon efficace et efficiente à ce que les droits, la promotion des droits de l'homme dans notre pays et dans le, sur, au niveau national, sous-régional et international puissent être respectés. La cérémonie de clôture de la session a pris fin par la remise d'attestation aux participants. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, le mouvement Mali Kokroi a offert un nombre important de moustiquaires aux femmes de Yirimadjo en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 13 décembre 2023 et a enregistré la présence des autorités locales, coutumières et religieuses du quartier. Compte rendu, Lassine Diakité. Cette initiative du mouvement Mali Kokroi a permis d'offrir des moustiquaires imprégnés à plusieurs dizaines de familles à Yirimadjo. À travers cette donation, le mouvement présidé par Salimata Kabadjakite entend contribuer à la lutte contre les maladies causées par les piqûres de moustiques, plus particulièrement la dengue qui devient de plus en plus une préoccupation majeure avec 629 cas positifs et 29 cas de décès. Notre mouvement Mali Kokroi veut toujours apporter de l'aide aux populations en difficulté. C'est pourquoi on a fait ces dons pour aider les autorités de la transition à protéger la population contre certaines maladies. Aujourd'hui, nous donnons des moustiquaires imprégnés parce que le palu et la dengue font des ravages. Nous avons fait d'autres cas la mission de notre mouvement Mali Kokroi. Au cours de la cérémonie, des agents de santé ont sensibilisé les bénéficiaires et l'assistance sur la bonne utilisation des moustiquaires afin d'éviter au maximum le contact avec les moustiques pendant le sommeil. L'initiative du mouvement Mali Kokroi a été saluée par le chef des villages de Yirimadjo à travers son représentant. Il invite à la bonne volonté à emboîter les pas. Le mouvement Mali Kokroi entend poursuivre cette dynamique dans toutes les communes du district de Bamako et dans les régions du Mali. Ainsi s'achève cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Invoquez Dieu, ne te dispense pas de cultiver ton champ. Proverbe africain, excellente soirée à tous. À bientôt.